Vous avez déjà entendu parler de l'aïdésis? Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Bon, ben on va demander à des gens. Après le bip, l'appel coûtera. Eh ben, c'est pas donné. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame, je voulais vous demander, l'aïdésis, ça vous dit quelque chose? Non, moi, mon bon monsieur, je ne connais que Aïe Pépito. Bon, merci. Oui, bonjour monsieur, allô? Allô? Oui, est-ce que l'aïdésis, ça vous évoque quelque chose? Non, je connais que l'aïdésis pour la cuisine. Ah oui, ok, merci en tout cas. Au revoir. Ah, voici un jeune passablement désœuvré, il est en train de taguer un mur. Alors, je m'approche. Et vous, l'aïdésis? Quoi, mec, si tu manques de respect là, vas-y, bouge. Et vous, mademoiselle l'aïdésis? Ah oui, je crois que c'est une technique littéraire pour dissimuler des secrets. Je l'ai lu une fois dans un apéricube. Quest'ora i colleghi scordati li ho già chiusi nella. En parcourant ce livre, vous apprendrez que ça se réfère à une technique d'écriture qui permettait à des initiés de dissimuler des messages secrets dans des textes au moyen de métaphores spécifiques. Bon, dit comme ça fait un peu complexe. Mais pour nous, l'aïdésis, c'est également un étonnant projet artistique. Il est né de la rencontre entre un artiste peintre, un romancier et un psychanalyste. En parcourant ce livre, vous découvrirez 26 éléments que vous manipulez tous les jours sous un angle tout à fait différent. Ces 26 objets sont les 26 lettres de notre alphabet. Et vous prendrez plaisir à les voir peintes d'une façon renversante, à les voir vivre dans des petites fictions étonnantes, à leur donner une consistance insoupçonnée dans leur interprétation. Alors venez vous servir une bonne assiette d'une soupe de lettres cuisinée pour vous éveiller les sens.